Sortez ! Hein ? Qu'est-ce que... Et action ! Ça, à première vue, ce sont les concurrents qui viennent passer les auditions afin de participer à notre course automobile. Attends, tu te fiches de moi? Que veux-tu que je fasse d'un chat et d'une souris? Nous avons besoin de gens assez fous pour risquer leur vie dans le but hypothétique de remporter un prix inestimable. Je ne fais pas dans le documentaire animalier. Bon, appelle la sécurité. Monsieur, regardez, c'est... Oh, lui. Oh. Fiche une peur bleue, monsieur. Oui, c'est normal, c'est le grand patron d'Hollywood. Il fait toujours cet effet-là. Bonjour, votre majesté. Nous ne sommes rien comparés à vous. Sorry, Irving. Je commence à avoir des crampes aux joues. Je suis content de vous voir, tous les deux. Les filles et moi, nous avons entendu ce que vous avez dit à propos du chat et de la souris. Expliquez-vous. Oh. Oui, ils voulaient s'inscrire à la course et j'étais justement sur le point d'appeler la... C'est une excellente idée. Ils vont apporter un peu de diversité et rendre ce programme 10 fois plus attrayant. C'est une initiative de génie. Vous êtes vraiment l'homme de la situation sur ce coup-là. Oui. Oh, merci, c'est très gentil à vous, monsieur. En fait, j'étais sûr que vous adoreriez le concept. Et rien qu'à voir la tête de ce gros matou gris, on se rend compte qu'il ne reculera devant aucune fourberie pour parvenir à ses fins et remporter la victoire. C'est ce qu'il nous fallait, un vrai méchant. Les téléspectateurs aiment ceux qui sont prêts à tout. Quelqu'un qui a le courage de faire ce que les autres n'osent pas. Quelqu'un qui n'a aucune compassion. Souviens-toi de ça, gros cachet, quand l'audience n'est pas là. Tu dois toujours faire appel aux instincts les plus vides et les plus bas que la nature humaine connaisse. Oui, merci beaucoup pour le conseil. Vous êtes le meilleur. Notre travail ici est terminé, les filles. Tu as toutes les cartes en main pour faire exploser les scores d'audience, alors ne nous déçois pas. C'est votre jour de chance. Nous avons décidé de prendre encore des concurrents et vous avez le profil requis. Tenez, signez là où il y a les croix et ça sera réglé. J'ai le pressentiment que notre émission va faire date dans les annales de la télévision. Si le succès est au rendez-vous, je pourrais bien être promu vice-président d'Hollywood. Oh. Ces huluberlus sont quasiment incontrôlables. Oui, ils sont parfaits.